aussi devant l'entreprise Thales Aersal. On est environ 70 activistes qui sommes devant OIP. C'est une entreprise qui participe à la production de certains matériels militaires vendus à l'armée israélienne qui est complice d'un génocide. Donc OIP qui est une entreprise qui appartient à Elbit Systems, qui est donc l'entreprise qui est le plus gros fournisseur d'armes à Israël et à ses politiques génocidaires. Donc aujourd'hui, ici, on est un collectif de personnes qui avons décidé de bloquer complètement l'entrée de l'entreprise. Donc aucun travailleur n'a pu rentrer, comme on peut le voir ici. Aucun matériel non plus ne peut rentrer. Donc il y a trois portes qui sont complètement bloquées par des activistes. Et donc on participe à notre échelle avec nos moyens à l'embargo qui doit être normalement imposé envers l'armée israélienne, complice de génocide et de crimes de guerre. Et donc aujourd'hui, on est en train de bloquer cette entreprise le plus longtemps possible afin d'alerter à l'armée sur ce qui se passe en ce moment à Gaza et en Palestine, sur le génocide qui a lieu en ce moment, et aussi pour signifier et signaler notre désaccord profond et notre révolte contre tout ce qui est production et transit d'armes vers Israël.